à tous et on se retrouve pour une nouvelle, euh, nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo magique et on va s'ouvrir et bien vous vous en doutiez certainement que ça allait arriver voilà voilà notre display complet Xalan voilà il fallait bien qu'on l'ouvre un jour donc le voici c'est pour maintenant donc vous euh, vous savez vous savez sans doute comment on va faire mais je vais quand même me répéter je vais euh, vous rappeler comment ça va marcher on va s'ouvrir un display complet et on va se servir de ce display pour eh bien décortiquer l'extension pour s'arrêter sur euh, toutes les cartes de l'extension ou plutôt toutes les cartes qu'on va réussir à piocher dans ce display puisque on va pas réussir à tout piocher bien entendu il va nous manquer des rares et des mythiques qu'on n'aura pas réussi à ouvrir quoi qu'il en soit tout ce qu'on va trouver là dedans on va le décortiquer on va on va, le, on va le commenter on va en dire quelques mots donc ce qui va se passer c'est que la vidéo va se dérouler alors en plusieurs parties euh, habituellement on fait ça en quatre parties je pense que ça va se faire du coup en quatre parties donc on va commencer en fait plutôt doucement puisqu'on va s'arrêter sur chaque commune sur chaque un -co, etc et, euh, et ensuite plus ça va avancer plus ça va être rapide Puisqu'on va revenir encore et encore sur les mêmes communes, les mêmes homcos, donc on va s'attarder après que sur les rares et les éventuelles cartes qu'on n'aura pas encore vues. Voilà voilà, donc ça c'est le principe de base de nos ouvertures de display complet, je pense que vous commencez à connaître. Donc euh, bah, a priori on va, on va peut-être faire 3-4 boosters dans cette première partie, puis ça va aller de mieux en mieux. Et bien euh, par la suite, euh, voilà voilà, puis bien sûr on fera un petit récapitulatif à la fin quand tout sera terminé. Donc ça c'était pour les explications sur le principe de fonctionnement de la vidéo Mais on peut peut-être parler un peu d'Ixalan, ça pourrait être intéressant Donc Ixalan, hein, je pense que, que vous avez compris le délire hein, C'est des pirates, c'est des dinosaures, mais euh, c'est pas que ça En fait, à la base, Ixalan c'est un nouveau plan Donc un plan, c'est ces fameux mondes un peu qu'on retrouve dans Magic hein. Et euh, donc c'est un nouveau plan qu'on n'avait encore jamais exploré Donc il n'y a aucune extension, aucune carte qui vient d'Ixalan et pourquoi on se retrouve sur Ixalan Eh bien, parce que on raconte l'histoire de Jace. Jace qui s'est fait battre par Nicole Bolas et qui se retrouve un peu malgré lui sur, euh, sur Ixalan. Et il rencontre entre autres Vraska, voilà, et il arrive pas mal de choses. Et on se rend compte qu'il y a des vampires, des dinosaures, des pirates et un peu de tout. Donc, c'est plutôt euh, fun, fun, fun. Voilà, voilà. Donc, j'en dis pas plus sur l'histoire, tout simplement, parce que euh, bah, je me suis pas plus renseigné que ça. Je vous invite à aller découvrir l'histoire par vous-même sur le site de Wizard, qui est très bien fait à ce niveau-là. On en reparlera peut-être plus tard, une fois que j'aurai lu les, les histoires. Quoi qu'il en soit, je vous propose de commencer cette ouverture avec ce premier petit booster. Donc, Xalam, qu'est-ce qu'il y a de bon à piocher avant de l'ouvrir Il n'y euh, a pas des choses. Euh, folle. Disons qu'il euh, y a beaucoup de cartes random, des rares, même beaucoup de mythiques qui sont pas ouf. Euh, cela dit, il y a quelques cartes vraiment euh, plutôt intéressantes, notamment des dinosaures. Y a... Quelques dinosaures vraiment très intéressants. Il euh, y a des cartes aussi, les fameuses cartes recto verso. Donc il y, y a un cycle de cartes en fait, comme vous pouvez le voir ici. Il y en a 5. C'est toutes des enchantements légendaires qui peuvent se retourner ensuite pour devenir des terrains légendaires qui font des effets très puissants. Le bleu et le vert sont notamment euh, plutôt intéressants, mais globalement ils sont tous les, tous les cinq très intéressants. Donc ça, ça peut être intéressant à piocher. On a euh, les terrains doubles, euh, donc qui sont en fait des rééditions. Donc on a sommet de crâne dragon et, et équivalent, qui sont en fait des terrains qu'on a. Avait vu il y a longtemps et qui reviennent donc c'est plutôt une bonne chose donc c'est c'est toujours intéressant à, à récupérer euh, on a aussi euh, peut-être un ou deux pirates intéressants euh, puis ça à peu près oui, il me semble, il y a peut-être quelques... au niveau des communes et des homcos, il n'y a pas grand-chose, il y a des petites communes bleues, il y a la nouvelle gestion noire qui est, qui est sympathique euh, voilà voilà, donc on va s'ouvrir ça et euh, bon, on va voir, si on tombe sur tout ça, ce sera cool, et sinon bah ben, euh, ben, tant pis, donc j'en profite, vu qu'on commence le display, je rappelle un peu les ratios attendus, donc ça plus pour la prochaine extension, donc les ratios attendus Trésor, ce sera euh, bah, normalement, on va dire entre 4 et 6 mythiques. Voilà, si on a de la chance. Euh, et au niveau des rares foils, normalement, c'est une par boîte, peut-être deux, donc de rares ou de mythiques foils. Voilà, voilà. C'est à peu près tout, puisque dans cette extension, il n'y a pas de terrain full art, il n'y a pas de d'expédition, d'invention, d'invocation ou de, de cartes un petit peu spéciale comme ça. Il n'y a pas. Donc euh, c'est tout, voilà, on peut pas tomber sur grand chose de plus. Alors, on va commencer avec notre toute première carte qui est Énervement, c'est un rituel qui coûte un rouge et qui va tout simplement aller coller une blessure à une créature ciblée que vous. Contrôler. Donc, ça vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Bah, ben non, en fait, ça va servir à déclencher cette nouvelle capacité qui est la rage, puisque les... certains de nos dinosaures ont la rage, c'est-à-dire que dès qu'ils subissent des blessures, il y a un effet qui va se déclencher. C'est ça qu'on va chercher à faire avec cette carte. Et en plus de euh, coller une blessure à notre créature, voilà, cette créature acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour, donc c'est plutôt pas mal, sachant que, bah en fait, les dinosaures, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça qui ont le piétinement de base, donc c'est toujours intéressant. Et en plus, on pioche une carte, comme ça, on fait vraiment tout en une carte pour un petit rouge, donc pourquoi pas, c'est plutôt correct. Et donc le persécuteur euh, Morneuil, qui est une euh, notre premier pirate, notre première créature aussi, qui est une 2-2 pour 3, qui a le saccage, saccage étant un nouveau mot-clé qui indique que la capacité va se déclencher quand on a déjà attaqué avec une créature au moment où l'effet se bah, doit se déclencher. Donc là typiquement, on a un, bah, un petit un petit pirate qui va, euh, quand il arrive en jeu, si on a le saccage, donc si on a déjà attaqué avec une créature, donc vous jouez bien entendu. Euh, ce pirate là en deuxième phase principale donc après votre phase de combat et eh bien là on va choisir un adversaire et il va se défausser d'une carte tout simplement voilà voilà donc ce nouveau petit mot-clé le saccage ensuite on aura le droit à un enchantement donc une aura plus particulièrement puisqu'on va enchanter une créature pour 4 en disant que euh, bah déjà euh, quand le, cette aura là va arriver en jeu on va gagner 2 points de vie voilà tout simplement. Et en plus la créature qu'on aura enchantée ne pourra ni attaquer ni bloquer. Donc c'est plus un enchantement de gestion. On va aller bloquer une créature adverse en l'empêchant d'attaquer et de bloquer. Puis en plus on va gagner deux petits points de vie dans l'affaire. Donc c'est pas, pas génial pour 4, on a vu mieux. Le Ceratops à queue épineuse, notre premier dinosaure, donc on aura une 4-4 pour 5, qui dit qu'il peut bloquer une créature supplémentaire à chaque combat, en gros il peut bloquer deux créatures, donc j'imagine que c'est parce qu'il a une queue épineuse, du coup il a une grande portée, ou alors c'est parce qu'il embroche deux créatures avec ses deux cornes, donc je ne sais pas, à vous de voir, quoi qu'il en soit, ça fait un, bah, un très bon petit bloqueur pour le coup, donc euh, sympathique, elle est plutôt sympa en plus, voilà. Ensuite, donc, second pirate, on aura le, euh, bah, le riche marin pour 3. On a une 1-4. Un bon, cette fois-ci, il n'a pas le saccage, mais il fait autre chose. Euh, quand il arrive en jeu, on peut créer bah, justement un jeton trésor. J'ai défoncé un peu la caméra. Donc, un trésor comme celui-ci. Donc, ces jetons de trésor qui peuvent être créés par diverses capacités comme celle-ci, euh, bah, c'est tout simplement des artefacts qui peuvent, quand vous les engagez et que vous les sacrifiez, bah, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Un peu comme un pétale de Lotus euh, pour ceux qui connaissent ça. Voilà, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Un petit trésor. Et puis après, on a une 1-4. Donc, c'est cool. Ensuite, frappe assurée, ça coûte 2, c'est un éphémère, et ça dit que la créature ciblée va gagner plus 3, plus 0, initiative jusqu'à la fin du tour, donc ça, ça peut être vraiment, vraiment puissant. Ça peut vraiment, vraiment retourner le, le, l'issue, justement, d'une bataille, d'un affrontement entre deux créatures, donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien. La carte est plutôt sympathique. On a le Perse Sort, c'est un éphémère qui coûte, euh, bah, qui coûte un bleu et qu'on avait déjà vu, qu'on connaît déjà, et ça dit on va contrecarrer le sort non créature ciblée, à moins que son contrôleur ne paye 2 euh, mana. Donc voilà, une bonne petite réédition. Bon, si je me trompe pas, il me semble, normalement c'est une réédition, j'en suis sûr, à 99%, mais normalement euh, c'est le cas. Voilà voilà, Donc, en tout cas l'illustration est très jolie. C'est pas forcément une des cartes que j'utilise, mais euh, très sympathique. Brut euh, entêté, donc pour 3, orcs et pirates, donc on a pas mal d'orques encore une fois, euh, en plus des vampires et d'autres euh, petites bestioles de ce plan. Donc ça nous dit qu'on a une 3-3 pour 3, ce qui est correct, elle ne peut pas bloquer, ça c'est embêtant, et elle a. Ah, par contre elle a la menace tant que vous contrôlez un autre pirate, donc en gros une 3-3 menace pour 3, c'est vraiment très agressif comme carte, donc euh, pourquoi pas, ça peut éventuellement faire des choses. On aura un artefact, ensuite un golem créature artefact, sentinelle doré, donc une 3-3 pour 4. Ok, pourquoi pas? Why not? Ensuite, aérosaure est un instant, donc aérosaure encore une fois, ils se sont pas trop embêtés pour les noms je trouve à ce niveau-là. Donc une 3-4 vol pour 5 tout bêtement, un dinosaure, c'est pas forcément le meilleur, mais pourquoi pas? Ensuite, premier unco on aura le, bah, le totem sentinelle, tout bêtement, donc ça coûte 1, voilà, ça coûte 1. Quand il arrive en jeu, on fait un regard 1. Ok, et puis à tout moment on peut l'engager et l'exiler pour avoir le droit d'exiler toutes les cartes de tous les cimetières. Donc ça c'est vraiment une carte euh, plutôt que vous allez garder en side, donc c'est-à-dire dans votre réserve et que vous allez ajouter en, à, la, à la deuxième ou troisième manche si vous remarquez que votre adversaire par exemple va jouer beaucoup avec son cimetière. Comme ça vous aurez une carte pour et eh bien pour l'embêter un petit peu. Donc une carte très sympathique, qui est très jolie, qui doit rendre vraiment très très bah, très très bien en folle je suppose. Ah, un autre dinosaure sympathique, Terreur du Ciel, 2-2 de vol menace pour 2. C'est sympa, c'est plutôt sympathique. Vous êtes quasiment sûr qu'elle va passer pour le coup, parce que votre adversaire est obligé d'avoir deux créatures volantes ou avec la portée s'il si veut vous la bloquer. Donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Carte sympathique. Ensuite, en parlant de, bah, de créatures volantes, on aura un autre pirate, mais cette fois-ci qui vole. Donc c'est une 1-2 euh, vol pour 2. Très bien. Et en plus, euh, elle a le saccage. Donc, encore une fois, il faut que vous ayez attaqué avec une créature ce tour-ci. Et ça dit qu'elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur plus un plus un euh, supplémentaire euh, sur elle si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci. Donc, en gros, si vous la jouez en saccage, pour deux, vous avez quand même une 2 deux, trois vols. Ce qui est plutôt correct. Donc, euh, bah, pour une unko c'est tout, tout à fait correct. C'est vraiment très sympa. Ensuite, notre première rare de notre premier booster, de notre premier display, on aura le droit à. Eh bien, une rare... Euh, une rare... Ok. Donc, prêtre du soleil levant, ça coûte un, 1. C'est une 1-1. Ça nous dit qu'au début de notre entretien, on peut révéler une carte de dinosaure de notre main. Et euh, si on fait ainsi, on gagne 2 points de vie. Ok. Pourquoi pas pas, d'accord, et on pourra euh, payer 5, la sacrifier, et chercher dans notre bibliothèque une carte de dinosaure, la révéler, et, et la mettre dans notre main tout simplement, et mélanger la bibliothèque. Donc en gros, ça vous la jouez euh, au tout début de votre, bah, de, de votre partie, hein, idéalement euh, tour 1, comme ça à chaque tour vous gagnez 2 points de vie, le temps que vous ayez plus de mana, vous avez d'autres dinosaures dans votre main, et puis plus tard, il vous sert de tuteur pour aller chercher votre gros dinosaure. Ok, c'est... Euh, c'est pas fou c'est pas la folie, quoi, ok. Donc on va... Euh, Bon, on va passer à la suite et quoi Pourquoi cette pourquoi cette plaine est à l'envers Ça n'a pas de sens. OK, donc les terrains sont à l'envers visiblement ou alors c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc bah booster suivant, ce premier booster a, sur lequel on a passé pas mal de temps, qu'on a bien détaillé mais c'est normal puisque toutes les cartes étaient nouvelles, était plutôt OK, il y avait de bonnes petites zonko. Moi bon, la rare, je suis moins fan par contre. On ne peut pas gagner à tous les coups, donc c'est parti pour le suivant. Oh tiens notre petit, alors c'est Gizat ou Gista, je ne, sais, je ne sais jamais. On va sûrement le piocher, donc c'est cool. On aura eu un jeton euh, plante 02 défenseur. Sympathique aussi, très joli. Très sympa, très sympa. Ensuite, salve de pyrocanon, ça coûte 3, c'est un rituel, ça colle 3 blessures à la créature ciblée. Ok, c'est pas fou pour l'instant. Par contre, si vous avez le saccage, ça colle 6 blessures à la créature en question à la place. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ça peut vraiment être, être puissant si vous jouez en saccage. Donc, c'est cool. Sympa. Ensuite, marque du vampire, ça coûte 4, vous allez enchanter une créature, et la créature en question va gagner plus de plus de, et le lien de vie, donc ça peut être pas mal. Ça coûte 4, c'est un peu cher, mais 2 de lien de vie, c'est quand même assez puissant. Donc, typiquement, si vous collez ça sur votre, votre terreur du ciel ici, 2-2 vol menace, tout de suite vous allez avoir une 4-4 vol menace lien de vie qui va passer à chaque tour, qui va faire de gros dégâts, qui va vous mettre 4 points de vie par tour. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc, sympathique petite carte. Ensuite, on a la fameuse chevalière ptérodonte qui coûte 4, c'est une 3-3, ce qui est correct. Et surtout qui va gagner le vol tant que vous contrôlez un dinosaure. Donc par exemple un Raptor Catapulte. Euh, voilà, donc je vous invite à aller voir les matchs si vous voulez la référence. Ensuite, faveur des héros de l'onde, ça coûte 2, c'est un éphémère. Ça dit que vous allez pouvoir mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée et un autre marqueur plus 1 plus 1 sur un ondain ciblé. Sachant que si vous avez un ondain... Vous pouvez lui mettre les deux marqueurs plus un plus un dessus, il n'y a pas de problème. On ne vous impose pas de choisir des créatures euh différentes. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt sympathique. On aura échouage. Donc c'est un éphémère bleu qui coûte 4 et qui nous dit qu'on va mettre l'artefact ciblé ou la créature ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Donc ça va vraiment. Euh, vraiment embêter votre adversaire, ça va vraiment le retarder, parce que non seulement vous lui, blo vous lui enlevez la menace euh, en question qui vous pose problème, mais en plus vous, vous lui obligez de, de, de repiocher ça euh, au prochain tour, c'est vraiment plus fort que simplement lui remettre euh, dans la main, donc c'est plutôt pas mal. Euh, sympa. Après ça coûte 4, voilà c'est un éphémère, c'est une commune, c'est euh, classique. Euh, gardien du euh, reliquaire de feu, ça coûte euh, bah ça coûte seulement 1, c'est un élémental, j'aime bien les, les élémentaux en, en général, donc c'est une 1-1 menace pour 1, c'est c'est pas mal, c'est OK. Et ça nous dira que plus tard quand on aura vraiment la tonne de mana, on pourra payer 8, l'engager, le sacrifier pour cibler deux créatures et infliger trois blessures à chacune de ces créatures. D'accord. Donc euh, ouais, ça fait beaucoup de mana et tout pour mettre euh, ouais, 2 deux fois trois blessures, pourquoi pas Donc euh, oui, pourquoi pas C'est pas c'est pas la commune de folie. Euh, canopée écrasante, ça coûte 3, c'est un éphémère, la carte est magnifique encore une fois. Il y a vraiment des, des couleurs de fou, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc ou bien on détruit une créature avec le vol ciblé, ou bien on détruit... L'enchantement ciblé, moi ça me semble être une carte de gestion euh, très sympathique. J'adore les cartes de gestion qui peuvent justement euh, gérer plusieurs choses différentes selon les, les circonstances. Et là, franchement, en vert, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a des cartes en vert qui disent détruisez la créature avec le vol ciblé. Mais si notre adversaire ne joue pas de créature avec le vol, on a une carte qui ne sert à rien. Donc là, au moins, on peut tuer aussi un enchantement si on le désire. Donc c'est plutôt cool. Franchement, j'aime beaucoup. Carte très sympathique. Ensuite, Sentinelle des sources, donc tout simplement une 2-5 pour 4, un petit tondon dans les rien de spécial, rien de super intéressant ici. Euh, Détournée, donc euh, ouais la carte est plutôt euh, sympa aussi, donc ça coûte 3, rituel c'est classique, hein. vous acquérez le contrôle de euh, l'artefact ou de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour, vous la dégagez, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour, donc c'est assez classique, sauf que d'habitude les cartes qui font ça, elles coûtent, euh, coûtent peut-être moins cher, mais pas, même pas forcément, elles coûtent 3 je crois, mais 3 avec 2 génériques et un rouge, et elles vous permettent de voler simplement que la créature là vous pouvez aussi voler un artefact donc pourquoi pas c'est pas mal c'est rigolo ensuite guerrier euh, oui guerrier de plonge racine donc ça coûte 2 c'est un ondin c'est une 2-2 de deux pour 2 deux, donc ça c'est très 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 classique et en plus à chaque fois que qui euh, bah, qu'il devient bloqué il va gagner plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour donc votre adversaire va, va hésiter à le bloquer il va préférer peut-être se prendre deux plutôt que de se dire bah je bloque mais elle va passer 3-3 donc ça peut être un peu dangereux donc pourquoi pas un petit ondain assez agressif Ensuite, ah lui il est sympathique, Orc et Pirate pour 2, on a une 2-2, qui dit que euh, bah, à chaque fois qu'il attaque, enfin qu'elle attaque, puisque c'est une madame, elle va gagner plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre pirate attaquant. Donc là clairement vous avez un jeu pirate assez agressif, ça peut vraiment vraiment euh, faire très très mal. Et j'aime ai, beaucoup cette illustration parce qu'elle me rappelle beaucoup le, le design, je suis pas le seul à avoir dit ça, hein, mais elle me rappelle beaucoup le design du film Warcraft, donc si vous ne l'avez pas vu, euh, je vous invite à aller le voir, il est plutôt, plutôt sympathique comme film. Donc, ouais c'est plutôt cool illustration bah, vachement réaliste pour le coup donc c'est pas mal bonne petite carte très bonne euh, très bon petit pirate je, je pense euh, vaurien à rechercher ça coûte 2, bah tiens en parlant de pirate encore deux et tout simplement alors 4-3 pour deux donc ça c'est plutôt cool par contre quand il meurt l'adversaire ciblé va créer deux jetons de trésor, d'accord ok donc c'est un peu un problème donc c'est quand même une 4-3 pour 2 c'est hyper agressif c'est hyper violent mais quand elle va mourir si elle meurt bien sûr la punition, c'est que votre adversaire va créer deux petits trésors. Donc, c'est. En gros, ils se sont fait prendre et ils perdent leur trésor. Donc, ouais, bah la carte est plutôt intéressante, je trouve. Je pense que c'est une carte qui a de l'avenir dans les, dans, dans les jeux plutôt agressifs. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ah le la fameuse enfin euh, terra nullius donc carte très sympathique qu'on avait pioché dans, dans l'avant-première mais là on la repioché ici donc c'est un très bon petit terrain, c'est un terrain tribal parce qu'en fait il va arriver en jeu, il va euh, en fait vous allez choisir euh, un type de créature et il vous mettra la, bah, la couleur que vous voulez mais uniquement pour jouer euh, bah, pour jouer en fait une, une créature de ce type là donc voilà, donc c'est un sort de créature forcément. Donc les sorts tribaux ça marche pas. Euh, un sort de créature du type choisi. Et En plus, si vous voulez, vous pouvez quand même le euh, bah, en fait payer enfin le l'engager, disons pour euh, pour pour un mana incolore si vous n'avez pas de sorte de créatures à jouer, donc c'est vraiment très sympathique. Ça rappelle la, la ziggourat ancienne qui vous disait tout simplement que ça vous mettait la couleur que vous vouliez que vous vouliez, mais uniquement pour jouer des sortes de bah, de créatures, quel que soit le type. Donc c'est un peu un peu pareil, sauf que là ça vous impose un type que vous choisissez, mais vous pouvez quand même euh, jouer un enfin, en fait l'engager pour du mana incolore et jouer autre chose. Donc, c'est vraiment très pratique. Je trouve que ce terrain est vraiment très très cool et tous les decks un peu tribaux vont vraiment l'apprécier, je pense. Voilà, tribaux multicolores bien sûr. Ensuite, on aura le droit à notre seconde rare et ce sera euh, Coppala qu'on avait déjà vu parce qu'on l'avait pioché à l'avant-première encore une fois. Donc c'est une 2-2 pour 3, c'est un ondin légendaire malheureusement qui nous dit que les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent un ondin que vous contrôlez vont coûter 2 de plus. En gros, si votre adversaire a des gestions pour cibler vos ondins, bah, ça va lui coûter euh, masse plus cher, donc il va, il va avoir du mal à vous gérer vos, vos ondins, donc c'est une protection. Et en plus, les capacités que vos adversaires activent qui ciblent vos ondins, bah, pareil, elles coûtent 2 de plus. Donc assez euh, assez violent voilà voilà donc ça protège tous vos petits ondins donc elle est légendaire c'est un peu dommage et on a encore ce terrain à l'envers mais pourquoi le terrain est à l'envers pourquoi je ne sais pas 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 voilà voilà donc ensuite booster suivant donc c'est marrant parce qu'on n'a pas eu de double en deux boosters on a eu que des cartes très différentes donc, bah, dans un sens, c'est bien. Donc, je pense qu'on va pas ouvrir euh, énormément de boosters dans cette première partie de vidéo, puisque on n'a on a aucun double, donc c'est cool. Alors, après, l'extension comporte quand même 200, 279 cartes. Ah ouais, c'est violent, donc euh, ça explique pourquoi. On continue avec euh, un rituel qui est une gestion plutôt sympa, euh, qui nous défonce une créature de force supérieure ou égale à 4. Voilà, voilà. Donc, euh, pourquoi pas Donc, Un peu cher après pour, pour ce que ça fait gérer, et puis c'est pas éphémère, quoi. Mais bon, c'est une commune. On enchaîne avec, ah, le fameux Vigile de Jacques, je trouve qu'il est plutôt sympathique. Donc c'est une 2-2, de il coûte 4 quand même. Par contre, il a la défense talismanique, donc il peut pas être ciblé par des sorts et des capacités de votre adversaire. Et en plus, quand il arrive sur le champ de bataille, on peut mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur un nom d'un ciblé que vous contrôlez, donc c'est potentiellement une 3-3, mais il peut en plus booster un autre de vos, un autre de, ceux, de ses congénères. Et pas de vos congénères, à moins que vous ne soyez des hommes poissons, mais je ne le pense pas. Donc voilà, sympathique. Ah, première double, donc on passe à la suite. Ah, le Raptor hystérique, la fameuse, la fameuse catapulte. Vous le connaissez. 4-2. On en a plutôt pas mal parlé durant, bah, durant euh, les, euh, les matchs en fait avec les decks euh, de Walker, Donc je vais passer. Donc c'est tout simplement une 4-2 pour 3. En tout cas, il est très marrant. Voilà, voilà. Donc ça, on a vu. Ah, on commence à avoir des doubles. Rafale, euh, balafre, pas rafale, Balafre de serre. Eh c'est ce fameux petit éphémère qui coûte seulement un blanc et qui nous dit que ça va coller deux blessures à la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Donc c'est pas mal. Ça peut permettre d'aller achever une bébête ou ça peut tout simplement euh, gérer une petite bébête, euh, voilà, qui vous posait problème si elle attaque ou si elle bloque. Donc elle est sympa. Euh, Brétaillé, ça coûte 2, bah c'est une aura, la créature enchantée va gagner plus de plus de célérité, c'est plutôt correct je trouve. C'est plutôt correct. Ah, un gros, un gros dinosaure, on voulait des gros dinosaures, en voilà un autre qui coûte 3, c'est une 3-2, et il a la fameuse capacité rage dont on parlait, donc lui à chaque fois qu'il va subir euh, des blessures, vous gagnez deux points de vie. Voilà, voilà. Donc c'est cool, c'est une 3-2 assez agressive pour le coup qui va vous faire gagner 2 points de vie en attaquant s'il se fait blesser, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a un petit éphémère qui vous fait gagner 4 points de vie et piocher une carte, donc euh, pourquoi pas, rien de, de spécial ici. On a un nouveau pirate qui coûte 2, c'est une 2-1, un. quand il va mourir on crée un trésor tout simplement. Ok, pourquoi pas ça me paraît plutôt pas mal. Premier unco c'est... Oula, c'est Marche-ciel porté par le crépuscule. C'est un vampire éclair, mono-blanc, c'est plutôt cool. Oui, est-ce qu'elle a une tête de vampire Je me demandais, oui, plutôt, on va dire oui. Allez c'est euh, accepté. Donc est une 1-1 pour 1. qu'elle vole 1-1 vol pour 1, c'est cool. Et ça nous dit en plus qu'on peut, euh, bon, peut payer un blanc, on peut l'engager. Et le vampire attaquant ciblé va gagner plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. D'accord, donc elle peut aller booster un autre petit vampire, ou voilà, puis après, voilà. Pourquoi pas, c'est pas, pas ultra fou, mais euh, pourquoi pas. Le totem qu'on avait déjà vu, qui est plutôt sympathique, le, ah, le chupacabra, <laughs> le choupacobra, en maro. Donc ça c'est une créature un petit peu... Euh, un petit peu, euh, comment dire Je ne je, je sais pas comment appeler ça exactement, mais c'est des créatures qui n'existent pas, pas vraiment en fait. C'est un peu des, des histoires qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. C'est un peu des mythes en fin de compte aussi. C'est un, un peu ça. Donc voilà, c'est un, euh, un peu ça. Donc c'est une bête et horreur. Ça coûte 4. C'est une 2-3. Et ça dit qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez... Explore, donc bah, on n'a pas encore vu la capacité explorer, donc on y reviendra plus tard, mais en tout cas il y a un mot-clé qui dit explorer, donc voilà, on déclenche une capacité d'exploration. Et euh, donc exploration, je peux vous raconter ce que ça fait. Hein. En gros, vous allez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque. Et alors je sais plus exactement mais on verra quand on en trouvera. Vous pouvez ou bien la mettre au cimetière. Non, si c'est ça. Si c'est un terrain, je crois qu'on la met dans la main. Et si c'est pas un terrain, on peut la mettre au cimetière. Et si on le fait, on met un marqueur plus 1 plus 1 sur la créature. C'est un truc comme ça. Je crois que c'est ça. On verra plus tard, on confirmera avec une carte qui fait l'exploration. Quoi qu'il en soit, ça vous dit qu'à chaque fois, qu'une créature que vous contrôlez explore. Et eh bien une créature skillbée qu'un adversaire contrôle gagne moins 2, moins 2 jusqu'à la fin du tour. Donc si vous avez un deck où vous explorez pas mal, cette carte-là peut vraiment aller faire de gros dégâts chez votre adversaire, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, au niveau de la rare, on aura droit à notre premier terrain double, et ce sera le sommet de crâne dragon, donc ce fameux cycle de terrain qui est réédité. D'ailleurs les illustrations sont toutes nouvelles et elles sont très jolies, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va pas quand même rappeler ce qu'ils font. Donc déjà c'est un terrain qui a deux couleurs, qui peut vous mettre. Enfin, il a... Un terrain est incolore, mais un terrain peut produire deux couleurs. Donc cette fois-ci, on aura eu le noir-rouge, et ça nous dit qu'il va arriver sur le champ de bataille engagé, sauf si on euh, contrôle déjà un marais ou une montagne, sachant que c'est pas forcément marais ou montagne de base, hein, ça peut être un terrain qui a, euh, qui a les types marais ou montagne attention le micro que je suis en train de défoncer voilà, donc euh, c'est donc plutôt pas mal, ils sont plutôt corrects et ils viennent bah, remplacer euh, tranquillement les nouveaux enfin les anciens terrains qu'on avait avec hermétique euh, qui, euh, bah, qui sortent qui ne sont plus, enfin euh, pas hermétique ténèbres sur Ennistrad, qui ne sont plus euh, autorisés en standard, donc on a les remplaçants, voilà voilà, donc c'est plutôt cool, et là, pourquoi on a une montagne à l'endroit, ça n'a aucun sens vampire, petit jeton vampire donc ouais, bah, des fois les terrains sont à l'envers et des fois ils sont à l'endroit euh, je ne sais pas. Donc, je vous propose de faire un, bah, un quatrième booster et je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'on a déjà quand même beaucoup parlé. On a, on a quand même passé. J'ai encore défoncé le micro, mais c'est dingue. J'ai encore, euh, enfin, j'ai encore. On a déjà passé beaucoup de, bah, de petites communes et quelques zones co. Donc, je pense que les parties suivantes vont pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc ouais, on va faire le dernier booster de cette première partie. On aura le droit au euh, guide de voix bah, de Tishana. Donc euh, bah, très joli encore une fois. On dirait une espèce de... à la fois une fée, une fleur, c'est un peu sympa. Mais c'est des ondes, voilà. C'est des hommes poissons. Alors, plutôt une femme, une femme poisson ou poisson. Donc pour 3, on a une de 2. Quand elle arrive en jeu, bah justement, elle explore. Voilà, on se posait la question. Il suffisait d'ouvrir un booster supplémentaire. Donc euh, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Ah, il faut la révéler. On n'a pas le droit de la regarder euh, simplement. Vous mettez cette carte dans votre main. Et si c'est un terrain... Et sinon, si c'est pas un terrain, eh bien vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur la créature qui a exploré, puis on met la carte alors soit au-dessus ou dans le cimetière, au choix, comme on veut. Ok, donc voilà, c'est euh, voilà, un... quasiment ce que j'avais dit, je m'étais presque pas trompé. Donc tout simplement, une 2 de deux pour trois qui quand elle arrive en jeu, elle explore, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ensuite on aura le droit à l'apprenti modeleuse, donc ondin et sorcier. Donc c'est la fameuse de 1 pour 2 qui gagne le vol tant que vous contrôlez un autre ondin. Donc on l'a vu, on l'a testé, donc c'est plutôt pas mal. Lui on l'a déjà vu. Vampire et soldat, le grave sang marche-ciel pour 3, c'est une 2-2 avec le vol. toujours pratique. Et quand elle arrive en jeu, l'adversaire ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Voilà, voilà, très classique, donc nous on l'avait joué à l'avant-première, c'est plutôt pas mal. Ah, la meneuse, la meneuse de King Jali, la fameuse carte qui vous fait coûter vos dinosaures moins cher. Très sympa, très sympa, franchement, excellente petite commune pour vos jeux dinosaures. Ruse de la sirène. Donc ça coûte 2, c'est un éphémère. Et vous exilez une créature ciblée que vous contrôlez. Euh, puis vous renvoyez cette carte sur le champ de bataille. Donc en gros vous la blinquez. C'est comme ça qu'on qu appelle cet effet-là. La carte est exilée et elle revient tout de suite en jeu. Et en plus, si, un, si vous faites ça avec un pirate, vous avez le droit de piocher une carte. En prime, donc c'est plutôt cool. Et euh, alors, à quoi ça sert de blinker bah Ça sert tout simplement si votre adversaire attaque par exemple. Alors, est-ce que c'est que vous contrôlez Oui, que vous contrôlez donc ça marche pas avec votre adversaire. Mais si on voulait vous détruire une créature, vous faites ça en réponse et vous allez sauver votre créature puisqu'elle va, elle va disparaître. L'effet qui ciblait votre créature ou les blessures, quoi que ce soit, bah vont vous en finir dans le vent et votre créature revient euh, toute tranquille et elle a été sauvée. Et ça sert aussi à à euh, réactiver des effets de vos créatures qui se déclenchent quand elles arrivent en jeu, donc ça sert à tout ça, donc c'est toujours intéressant d'avoir du blink. Ensuite, éphémère, donc brouillard aveuglant ça coûte 3, et on prévient toutes les blessures de combat, euh, toutes les blessures euh, carrément qui devraient être infligées à des créatures ce temps ci Et les créatures que vous contrôlez vont acquérir en plus la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Donc ça va vraiment vraiment euh, protéger un peu toutes vos créatures. Voilà. Toutes vos créatures et les créatures adverses aussi, puisque c'est à toutes les créatures. Donc ça sert vraiment à faire, un bah, en gros, brouillard. Voilà. Il y a une carte qui s'appelle brouillard qui fait un effet un peu similaire. Donc c'est pas mal. Hein. C'est toujours cool d'avoir une sorte de brouillard. Ensuite, bah, lui, on l'a déjà vu. Donc on passe euh, contrainte, contrainte, qui là est une vraie réédition. Pour le coup, je suis vraiment sûr. Donc c'est un petit rituel qui coûte un noir. Et euh, bah, en fait, on va forcer notre adversaire que l'on bah, choisit à révéler sa main. On y choisit une carte non créature non terrain et ce joueur doit s'en défausser voilà voilà donc c'est plutôt pas mal ensuite on aura le droit à le euh, meneur de tempête il coûte 4 c'est une 2 3 on a un sorcier et c'est la première enco je viens de, de remarquer qui nous dit je suis la tempête d'accord alors pourquoi cela quand elle arrive en jeu vous engagez toutes les créatures que l'adversaire et contrôle ah oui carrément d'accord ok donc si vous prépariez votre grosse attaque finale bah voilà vous jouez ça et c'est tranquille c'est open bar vous pouvez y aller ah, le marcheur pousse sauvage qui est très sympa. Moi, je trouve qu'il est super sympathique, cette... bah, ce petit élémental. Déjà, c'est un élémental, donc j'aime bien. Puis en plus, elle est plutôt cool. Donc pour deux vous avez une, quand même une 1-3, donc c'est pas mal. Et en plus, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore, donc un peu comme le, comme le Chupacabra là, dès que vous avez une créature qui va explorer, eh bien, vous pouvez mettre un marqueur plus 1, plus 1 sur le marcheur et vous gagnez 3 points de vie. Donc c'est plutôt fort. Franchement, c'est à mon avis la carte clé de tout deck qui explore, je pense, parce que ça m'a l'air plutôt euh, plutôt fort quand même, très très fort. Ensuite, on aura le droit mais c'est fini le micro. Oh là là. Donc ensuite, on aura le droit à la glorificatrice du crépuscule qui coûte 5. C'est une 4 4, vampire et soldat et à tout moment, on peut payer 2 points de vie pour lui faire gagner le vol temporairement ou payer 2 points de vie pour lui faire gagner la vigilance temporairement. Donc ça peut faire mal, ça peut faire des choses. Voilà. Ensuite, on aura le droit à notre rare, et ce sera, attention, eh bien, le barrage à répétition. Donc, la carte est plutôt marrante. Elle coûte 3. Vous allez mettre euh, en rituel 3 blessures à une cible créature au joueur, et à un moment où le saccage se déclenchera, donc, si vous avez attaqué, en gros, avec, euh, avec une créature pendant un tour, vous pourrez payer 5 et la renvoyer depuis votre cimetière dans votre main, voilà, voilà, donc c'est euh, ma petite carte de blast qui va pouvoir se ramener en main et se euh, relancer de multiples fois, donc c'est plutôt, euh, plutôt rigolo. Ensuite, on aura le droit encore une fois à une plaine à l'envers et on aura le droit à notre euh, première feuille. Attention, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, et c'est vraiment cool. Donc là, on dirait pas qu'elle est foil, parce que mon éclairage n'est ne, pas favorable à ça, mais, euh, mais je vous assure, elle est foil. D'ailleurs, on a la, bah, justement les pièces d'armure qui, qui, qui brillent de mille feux, et c'est vraiment très joli. Donc, bah, c'est justement le euh, guerrier de plonge racine qu'on avait déjà vu. En tout cas, voilà, très joli, et, bah, première fois, donc c'est cool. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, c'était, euh, bah, c'était comme d'habitude un peu long pour la première partie, je m'en excuse, mais en même temps, voilà, c'est notre... Première boîte de booster, donc on se fait plaisir et on ouvre ça et eh bien tranquillement. Donc, on aura eu au niveau des rares rien de foufou, rien de foufou à part bah, justement le terrain qui est toujours euh, très sympathique. Et je crois d'ailleurs qu'il m'en manquait un parce que j'ai retrouvé mes vieux terrains euh, que j'avais euh, à l'époque de, bah, de c'est quoi c'est Magic 2011, 2012, 2013, dans ces eaux-là. Donc c'est cool, donc je vais pouvoir compléter mon playset. Donc c'est cool. Cool. Allez, bon, bah, moi je vous tiens pas, je, je vous retiens pas plus longtemps. J'espère bah, que ce format, encore une fois, vous plaît. Que, bah, que, que ça vous intéresse toujours. Que je passe autant de temps sur les cartes. Euh, encore une fois, si vous ce qui vous intéresse, c'est euh, juste savoir ce qu'on a ouvert dans, dans une boîte, bah, je vous invite plutôt à aller voir les vidéos où c'est pas la première boîte qu'on ouvre, parce qu'en général, je vais beaucoup plus vite et je fais ça en une vidéo. Ou tout simplement, aller directement à la partie 4 et voir le récap final de, euh, bah, de l'ouverture complète. Mais voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez avec moi parcourir un petit peu cette nouvelle extension et euh, bah, visiter un peu euh, toutes les cartes et tous les, tous les recoins du plan, et bien bah, je vous invite à tout simplement revenir dès demain pour assister à la deuxième partie de la vidéo où on va essayer de s'ouvrir quand même plus de boosters que ça. Allez moi en attendant je vous dis à très bientôt et à plus